Salut à tous, donc aujourd'hui je suis à Johannas, j'espère que je prononce bien, dans l'Ardèche, pour faire mon deuxième trail 100 km de l'année, j'espère. Donc c'est un trail un peu particulier puisqu'il se déroule en 10 boucles potentiellement. Voilà, on est libre d'arrêter à la fin de chaque boucle et chaque boucle fait environ entre 10 et 12 km, avec plus ou moins de dénivelé. Voilà, et donc ce soir je suis tout seul puisque j'ai pas pu avoir mes accompagnateurs préférés. Donc ben, je suis dans la petite tente de 2 secondes, j'ai été récupérer mon dossard, j'ai donc le numéro 198 et on va regarder ce qu'il y a ensemble dans ce petit paquet. Forcément le dossard avec le nombre de boucles marqué dessus, voilà, de 1 à 10. Le mode d'emploi du trail, forcément, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un petit cadeau, un petit t-shirt Tanaré Sarga Trail. Eh bien, écoute, voilà. Bien joli, bien sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un petit cadeau de la crème de marron. Oui, parce qu'apparemment, on m'avait bien fait comprendre qu'il y avait beaucoup de châtaigniers dans le coin. Donc, j'espère que la crème sera aussi bonne. Que le paysage sera joli. Voilà. Et bien écoutez, c'est parfait. Donc ben, je vous donne rendez-vous demain matin, 6h30 pour le départ. Petit clin d'œil pour la team sur Squadrunner. Un petit coucou à Ben aussi qui doit faire. Qui doit s'être lancé depuis quelques heures sur l'UTMB. Désolé, j'ai pas eu le temps de te booster, mais le cœur y est, la tête est avec toi aussi. Bonne jambe et puis bon run à tous. Allez, 6h15, bientôt le départ, un petit débrief dans quelques minutes. Et c'est parti pour peut-être 112 km. Ça va. Dans une minute.
Bien sympathique. Bon, on rentre gentiment du camping, on entend les haut-parleurs, donc c'est la fin de la première boucle au profil. Et ensuite, nous partirons pour la boucle numéro 2. Allez, la première boucle. Et voilà. Bon, ça fait 98, ça va? Bien. Allez. Hop, petit point d'air. Ah, mais je suis de moi. Ravitaillement est là, la gauche. Ravitaillement. Merci. Allez, passage au ravito. Allez, la première boucle finie en 1h40, ravitaillement compris. Au point instant ça va, faut pas trop forcer. Si j'arrive à faire une 40, une 45 sur les premières boucles, c'est bon. La troisième, elle sera certainement plus dure. Ça me dérape le paysage. C'est magnifique. Le village de l'autre côté de la vallée. Voilà. On va pas vite, mais bon, au moins on en profite.
Quand bien en hauteur, la deuxième boucle, et on traverse un verger de châtaignes. Allez, encore du effort, faut aller là-haut. Vous avez vu, ça montrait là, mais bon, on a un point de vue plus somptueux. Ah oui, le point de vue vaut le coup. Ouais. Prochaine boucle, c'est là-haut. Hein? Prochaine, c'est là-haut de côté. Ah ouais, j'ai fait. Bon, bah allez. C'est bien joli, il va falloir redescendre. Oui, un téléphone portable a été trouvé sur la deuxième boucle. Il a été ramené, donc la personne qui l'a ramené va le récupérer. Donc voilà, j'ai bien estimé arriver à la fin de la deuxième boucle, mais on va filmer le début de la troisième, c'est pas grave. Donc quand on arrive, on passe par là, on passe par le stas, par le pointage, on valide sa boucle, et après derrière, il y a le ravito là-bas qui tient toujours au même endroit à la fin de chaque boucle. L'avantage c'est qu'on peut se reposer comme on veut. Et c'est reparti pour la troisième boucle. Alors la troisième boucle c'est la plus dure. Voilà, donc chacune un petit nom. Donc la première c'était plan son plutôt, je pense. Deuxième tour de Brison qu'on a vu tout là-haut, là, la petite tour. Et la troisième s'appelle Pissas. Donc ça promet, puisque la boucle fait 12 km et un peu plus de 800 de plus. Je pense que ça va piquer sévère. Donc là, 3h35 au départ de la troisième boucle. Donc ouais, j'ai mis une heure et demie, une grosse heure et demie pour boucler la deuxième avec le ravito compris. Donc je suis plutôt content. Voilà, je me disais 2h par boucle. Pour l'instant, j'ai 25 minutes d'avance, mais je pense que la troisième, les 25 minutes d'avance, elle va les consommer.
je l'avais perdu. Allez, quatrième boucle. Donc je suis arrivé aux alentours de 6h10. Combien, 10 km. 10 bornes, ouais, 10 bornes, ouais. À peine 10 bornes normalement, mais bon. Donc ça, la troisième boucle, qui était la plus dure, la plus longue. Voilà, bon, tout a valé pour l'instant. Je vais vous revenir à chaque fois au point de ravito, pas trop se poser trop longtemps. Enfin, surtout moi, je ne suis pas trop me poser trop longtemps, donc bah, je suis resté aller à quart d'heure attendre de changer de t-shirt, casquette. Ça va être bien un peu frais, ça fait du bien là. Donc là en plus on repart, il est 1h, 13h, et à peine 13h, mais ouais, on va arriver aux heures les plus chaudes, donc il y a du vent, heureusement. Allez, c'est parti pour la dixième boucle, la quatrième boucle. Normalement l'objectif c'est d'en faire 9 sur 10 pour moi. Donc on verra. La boucle celle-ci s'appelle Bouteillac. Voilà, moins exigeante, 10 bornes. A voir ce que ça donnera. Allez. Petit but. Un autre de la boucle. Il est 3h moins le quart et en fait je suis déjà parti de la du ravito après la quatrième boucle parce que la descente s'est pas trop mal passée, ça a été assez rapide et donc j'ai fait un petit ravito assez rapide pour faire en sorte d'essayer de faire les 6 premières boucles de jour voire la 7e. Voilà. Non, j'y vais direction de Château, ce qui est normal puisque la boucle s'appelle Château de Logère. Donc, somme de Logère, ça, c'est la belle pierre. Ah, c'est le château. Allez, c'est parti, on est à 10 heures de course, un bon 10 heures, puisque j'ai fait une bonne petite pause là. Donc 10h10 de course, avec la pause incluse. Et je pars pour la 6e boucle. Donc, si je vais jusqu'au bout des 10, je suis à la moitié, une bonne moitié, en kilométrage même. Si je pars au bout des 10, j'ai l'intention d'aller au moins à la 9. Donc si je vais à la 9, et bien il me reste 45 km, voilà, à peu près 45, donc 4 boucles de 11 km. Bon, on se remotive, parce qu'à chaque arrêt c'est de plus en plus compliqué. Hein. Ça tire les pattes là, le manque d'entraînement, ça se paye cash. Hein.
Donc on verra à la fin. Si je suis largement en dessous des 20 heures, je fais la 10e pour plaisir. Si je suis aux alentours des 20 et plus, j'arrêterai la 9 parce qu'il faut être un peu raisonnable quand même. Lundi, il y a boulot. Et puis dans un mois et demi, il y a un autre 100 km qui se prépare. Alors on verra. Rendez-vous à la fin des 9 boucles. Voilà, ça y commence à descendre un peu, donc on va essayer d'accélérer le pas. J'ai rien fini à la 6e plein jour. Et attaquer à la 7e le 600 à la frontale. La finir à la frontale, mais pas l'attaquer avec. Bon allez, c'est pas écart. C'est reparti là du coup pour là il faut que je fasse 3 boucles de 10 km. Donc c'est reparti pour la première. La nuit va tarder à tomber, donc la frontale est dans la poche. Et puis on va voir quoi. Alors passe. Là on est passé ce matin. Donc boucle 7 s'appelle Château Brison. Voilà. Donc un peu moins dénivelé que les autres, 400 à peu près. Ça c'est la bonne nouvelle. Et 10 km 5. Bon, on va faire un petit point nuit. La 7e boucle vient de se terminer. Voilà. Ravitaillement fait. Donc là j'envisage de beaucoup marcher. Hein. Parce que il est tard, il fait nuit et voilà, je suis fatigué. Donc j'ai 2 boucles à faire encore, 22 km et 910 plus. Donc va falloir être tranquille et j'ai quand même déjà 21h45 donc voilà, donc beaucoup de marche en perspective. Ce qui serait bien si je finis la 10e vers minuit, c'est pas mal du tout, enfin la 8e pardon vers minuit, et pour pouvoir attaquer la 9e dans la foulée. J'ai pris du ravito au stade des étages là directement pour passer uniquement par le petit point haut, faire le plein de la gourde et tracer dans la foulée. Donc ce sera un arrêt minute la prochaine fois parce que là faut que ça se termine. Comme ça, avoir la motivation après si je me pose de repartir. Donc, je me pose pas, je bois, je repars. Allez, à tout à l'heure. Il est beaucoup plus calme. Bon, l'objectif c'est de faire une pause rapide, 5 minutes, et de repartir aussi sec. Sinon,
Non. C'est une Europe. Et 2-8. Bravo, bravo. Tiens. Continue. Dernière pour la route. Ah ouais. Ah, tu pourrais pas chercher la dite. Ouais, mais j'aurais pas. J'ai pas d'entraînement. Sur route. J'ai 5 points. Ouais, j'ai déjà cherché les 5 points. C'est bien. Et sur route, j'ai fait 96 km continué. Alors, la vidéo est à l'intérieur. Hein, à l'intérieur. Ah, ouais. Super. Ok, merci. Merci. Bon, bah. Minuit 20. Je vais refaire du ravito. 9ème boucle. Ce sera la dernière. Voilà, j'ai mis 2h30 pour faire la boucle d'avant. Donc là, ça va être pareil, hein, sensiblement. Peut-être un peu plus longtemps, on verra. Mais bon, là, j'ai marché tout long. Je cherche même pas à courir. Début de la 8, j'ai dû courir sur une partie de la route, mais là, je n'avais même pas insisté. Je viens de croiser un coureur qui l'a fait à l'instant. Il m'a dit que c'était bien la première partie et après c'était défoncé partout. Donc on prend le temps, tranquille. Et puis on va finir cette boucle, cette 9ème boucle. Et après ce sera une putain de bonne douche chaude, j'espère. Bien chaude. Et dodo. Ah, une petite bière quand même, je pense. Et puis s'ils ont encore à manger, je mangerai un petit quelque chose parce que je commence à avoir un peu les crocs de temps en temps. Allez, rendez-vous dans 2h30 pour le passage de la ligne d'arrivée. Pour moi, ma ligne d'arrivée, dernière boucle. Un régal, même si c'est dur. Et surtout, je suis assez content parce que vraiment, j'ai vraiment pas d'entraînement en août. J'ai dû totaliser moins que la journée d'aujourd'hui. Voilà. Petite précision, je n'ai pas donné le nom de la boucle d'avant. Donc la 8ème boucle s'appelait Pied de Bœuf. Et la dernière s'appelle Nouzaret. La dernière que je vais faire s'appelle Nouzaret. Bon, une fois n'est pas coutume, je ne pourrai pas enregistrer la fin de la course par la caméra puisque je l'ai fait tomber lors d'une chute. Donc j'irai demain matin, j'espère que quelqu'un l'aura trouvé. Voilà. Merci. Il y a moins de monde. Ah, il y a moins de monde là. Hein. Vous allez chercher la 10. Ah non, c'est pas. Non. Trop dur. La 9ème là, elle était hard rock. Ah ouais, ah franchement. On enlève la puce alors. On enlève la puce. Bon bah ce matin, mission récupération de la caméra. Et je l'ai retrouvée. Putain, je suis trop content. Bon, ça me coûte pourtant, hein, parce que en énergie. En tout cas. J'ai l'occasion de faire un petit point sur ce trail. Franchement, super. Trailer confirmé ou pas, tout le monde y trouve son compte. surtout les confirmés pour ceux qui veulent faire les 9 ou 10 boucles là. Donc la 9ème boucle hier soir, je vais pouvoir faire le débrief puisque on va faire un petit bout là. Elle est juste démentielle. La 9ème, c'est un petit condensé de tout ce qu'il y a eu dans la journée. Voilà. Donc, de tout. Voilà. Du GR sur une crête. De la forêt avec des aiguilles de pin bien glissantes. Des genêts à traverser, des ruisseaux. Un tout. Voilà. Donc, une superbe 9ème boucle. Bien éprouvante, hein. Vu que c'était la dernière, mais bon. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, j'attends la voiture et puis on va rentrer à la maison, 8 heures de route, c'est parti. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté plus tôt, à cause de la voiture. J'aurais été accompagné, je pense que je me serais tenté la 10ème boucle. Voilà.
parce que j'aurais pu dormir en voiture, ou du moins pas avoir toute la route à faire, mais là c'est la raison qui a parlé, c'est pas la passion, c'est la raison. Allez, à bientôt.